Elle est vraiment plus belle comme ça, hein, qu'on soit. Ah ouais, elle est plus belle. Hein. Hmm. Mais en revanche, attends, c'est l'effet, c'est en bas. C'est l'effet. Non, ils ont rajouté des. Enfin, le mur elle de consulat. Elle est plus belle. Ouais, te fous pas de ma gueule. Ah non. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pretty. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Vas-y, va taper au niveau de ta machine. Ouais, ça marche. Ça va, c'est bien. Mon bac virus, ouais, nickel. Ton bac, c'est qui? T'es un monstre? Bon, je rentre, moi, dès que ça rassure. En bas des stairs, il y a Giger. En bas des stairs, il y a Bizarre. Allez-y, rentrez. Ok. Il y a une caméra qui traîne. Il était pas du tout en bas des stairs, mec, il est au top. La dernière fois que j'ai eu l'info, il était en bas des stairs, désolé. Esca jaune. 1 HP. En bac. Esca jaune, lui, il est en train de le prendre, t'as pas besoin de regarder. Encore, toilette, caméra. Non, décale pas, pourquoi tu veux décaler? Toilette, on t'a dit, c'est le dernier poulet. Toilette. Réfléchis. Écoute, là c'est que du soon maintenant. Dans ton bac, j'ai l'impression. Pas sûr. Non. Ah, je réfléchis pas, je suis con. C'est ma faute. Je suis con. Non, c'est moi, j'arrive à être tout ça. Est-ce que t'as toujours regardé le truc avec marqué 5v3 en haut là? Non. T'es sûr? Ah si, je l'ai gardé. Je l'ai cru si j'avais regardé. Non, je l'ai pas... Est-ce que tu l'as gardé? Ouais, j'ai gardé, ouais. Enlève-le. Ouais. J'ai vu dans une vidéo. Tu vois, il me faut pas longtemps pour voir les personnes qui l'utilisent. C'est une grave erreur de l'utiliser, grave erreur. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Vous enlevez le putain de show versus notification parce que ça vous donne les mauvaises informations. Pourquoi? Parce que là, tu savais que t'étais en 1v2, d'accord? Et encore, il y a eu quand même des moves qui étaient bizarres dans ta façon de gérer le clutch. Mais tu savais pas que c'était une cavera. Et tu savais pas surtout visiblement qu'elle était, elle était toute seule quoi. L'autre on te dit toilette, ok très bien. Il faut que t'aies la représentation tout de suite dans ta tête. Elle est toilette, très bien. Le thermite est en train de couvrir là-bas. Le seul truc qui peut te faire peur, c'est quoi? C'est un play par en dessous, c'est une cavera, c'est pas possible, il faut savoir. Le bar derrière toi, faut que tu réfléchisses en disant attention, elle a quand même des impacts grenades. Mais surtout ce qui va se passer, c'est que si elle était à peu près au niveau de cette zone là, bah c'est thermite qui va la rencontrer. On termine la rencontrer, elle fait le kill, et puis derrière tu te casses. Et ne jouez pas des clutches allongés, à part si vous êtes dans des lignes où vous n'avez pas besoin de vous retourner. Tu peux pas jouer ici, allongé, ne sachant pas si elle va pas te faire une zizou en te faisant à gauche-droite quoi. Là si t'es là, et qu'elle arrive derrière, ah tu fais ça, tu sais, mais on le sait tous que c'est relou quand t'es allongé. Non, au moment où tu sais qu'elle est là-bas, elle est en train de faire le kill, tu te casses putain, barrez-vous. Et tu te barres le plus loin possible et tu lui envoies un signal en lui disant « J'ai un drone, d'accord? Je ne vais pas te jouer, je veux jouer la gang du round. » Il aurait fallu que je quitte BP quoi. C'est ça ouais. Ah ouais, ouais carrément, t'allais à l'esca jaune, à l'inverse de là où elle était. Attends, j'ai un bruit bizarre là. Sur le balcon je crois. Lol, toi t'es mort. What? Je prends des escabizards. Escabizards, je vois rien. Ça a pris ma gueule, ma main. Bibi, il est sur moi, attends. Fenêtre, je crois. Ouais, net BPB. Ah, oui, il est fenêtre. Sur le garage, ça? Bah ouais, va ouvrir avec Ibana, ça revient. Oh, c'est bon, a priori y'a personne. C'est débandifié normalement. Ok, derrière le camion, sur ping, bandit. Chut. Camion dans le bandit. On a un dans mon bac. Okay, fond escablant. Fond camion blanc poulet. Ne bouge pas. T'es où toi? Vous voyez, je prends l'info où il est. T'es où, Mary? Dans le petit bureau, regarde. Ouais, bah moi je vais pas me faire chier. Il doit être par là le mec, d'accord? Je vais pas m'emmerder. Et je rotate. 20 secondes, on a le temps. Faut que tu commences à pusher pour que je puisse planter. Ok. 10 seconds left.
Je vais planter. Je plante, faut que tu me couvres. Laisse-le venir. Contact de gauche, Mary. Il vient, il est mort. Il est sur site. Il a fait une rotation. Non, 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 il a, il m'allume, il a fait. Putain, j'aurais dû garder ma ligne. Derrière toi, derrière toi, derrière toi. T'inquiète, je joue le time. Okay, c'est bon. Nice. Alors, enfin, l'autre il va nous prendre Maverick Mary pour nous faire des trous qui servent à rien. C'est des grosses meurtrières d'enculés qui vont se retourner contre nous. T'es. Oh, j'ai dessiné une tome et tout. Non, franchement, si je la gardais la ligne, il était mort. Mais j'ai, au moment où je me suis tourné, bah. Ils sont où là? Parce que la map est très belle. Oui, effectivement. Mais c'était pas drôle ça en revanche. Non, mais au moins c'est une petite analyse gentille. Mais je suis un mec gentil avant d'être un mec drôle, tu sais. Ouais, mais t'es un mec con avant d'être un mec gentil quand même. Toi t'es un mec méchant. Ah, excuse-moi de la dureté du propos, mais. Je suis pas du tout méchant, mec. Je suis une putain de crème, quoi. Ouais, t'es pas une crème, t'es un canard. C'est nul. Oh, t'aurais pu faire un jeu de mots avec un dessert, je sais pas, moi. Putain, t'es vraiment nul à Yesh, quoi. T'es pas une crème, t'es un banana split, mec. Ouais, c'est pas drôle. Non, dégage! Dégage, putain, c'est qui le termite qui me forme mon spawn kill? Je le vois, le mec, en plus. Là. Le spawn kill en attaque. La nouvelle astuce de Mary. Tu cours et tu spawn kill. Mais non, il y avait un spawn kill sur la fenêtre là. J'allais, je le vois, j'allais tirer. Il y a le mec qui est prêt pour pas le dégage, je tire pas et du coup je me prends les balles. Quoi. Bah voilà! Ok, je prends les infos. Y a une chut, on s'en fout de tes infos de merde. Mort sur VP. Je suis quand même blanc. Info. Il est au contact des escaliers jaunes. Ok, au top. Non, en bas. Il est tuyau. Il est où ces tuyaux? Bah, c'est là. Attaque, j'ai pris le kill. Oh, derrière moi sur le. Esca. Stairs. Esca, tu l'as dans les chevilles. Talon d'Achille. Ouais. Bien, wesh. J'ai un mauvais. C'est pas grave. Y'en a un autre, fais gaffe. Pas grave, y'en a un autre. D'accord. Allez, dis-nous ce que tu vas faire là, commente. Voilà, j'improvise. Allez, commente là, commente ton jeu là. Ok. Alors, pourquoi tu tweets? Pourquoi tu fais ça? Bah, si, c'est bien, et drone. Ah, oui, non, mais c'est la question, je veux qu'ils le disent pourquoi. Ah, t'es con toi aussi. Non, c'est bien, bah oui, c'est bien. Attends, le mec était en haut de l'escalier, tu t'arrêtes comme ça comme un toto? Non, prends le diffuse et tu vas planter. Hein. Ah, c'est. T'as, ah, l'air, nerveux, t'as l'air nerveux sur tes mouvements de caméra là. Hein. C'est nous qui t'énervons, hein? C'est nous qui t'énervons, hein? C'est nous qui t'énervons ou pas? Ouais, il faut que tu t'habitues, l'air. Bah oui, attends, c'est. Attends, attention, on est à toi avec les morts. On te met dans des conditions quand même favorables pour essayer de jouer avec ton jeu. Stop. On s'en fout toi là. Non, ça, non. Tu fais trop de bruit déjà. Écoute. Derrière toi, hein? Derrière toi, t'as la clé morte, donc t'auras l'information s'il veut passer. Rien de regarder. Est-ce que je joue la clé morte ou je t'apprends? Trou de rota à la caméra, tu l'as vu! Trou de rota à la caméra! Trou de rota là-bas, derrière le. Nom de Dieu! C'est bon. Je suis bon. Ça sert à rien que tu regardes dans ton bac, c'est un conseil que je peux te donner. Ça sert à rien que tu regardes dans ton bac quand t'as mis une clé morte. Parce que t'auras deux informations. Soit il se bouffe la clé morte et il meurt, tant mieux. Soit il tire sur la clé morte et tu sais que ça arrive. Donc ça sert à rien de checker, tu gardes une ligne devant le trou de rota ou la porte. Ah ouais, il faut que t'arrives. Non, mais ça c'est pas faux. Il faut que t'arrives à analyser le fait qu'il y a des zones qui sont safe ou des zones qui sont pas safe. Et il faut arriver tout de suite à te dire où est-ce que ça arrive. Mais le premier élément quand tu sais pas où ça arrive, c'est tu fermes ta gueule en fait. Tu restes dans ton coin et tu bouges pas. Bouger, ça veut dire faire du bruit dans Rainbow Six. Bouger, ça veut dire faire du bruit. Si t'avais, après on t'a fait chier, mais au moment où on a arrêté de te mettre dans la pression et au moment où t'es revenu à toi, t'aurais tout de suite dû entendre exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le mec était à gauche, il était bloqué par la clé mort parce qu'il avait mis trop de temps pour essayer de la gérer. Donc il n'arrivait pas à la gérer tout seul. D'accord ? À droite, il y a eu le bruit d'un fil barbelé. D'accord ? Premièrement, le bruit du fil barbelé. Ensuite, tu as vu des fils blancs, normalement des tirs, du Jaeger et de la Cavera. La Cavera a essayé de deny la clé mort. Et pour la Dina et la clé mort, elle a balancé son impact grenade. On a vu le bras dépasser derrière le frigo. Si tu ne vois pas ça, c'est problématique.
Tu te mets accroupi, d'accord? Pas allongé parce que ça fait trop de bruit dès que tu bouges. Et puis c'est relou parce que tu peux pas tourner sur toi-même aussi vite que tu aimerais, d'accord? Donc tu te mets accroupi, tu te penches à la limite d'un côté. Et puis tu fais ça, regarde, là, ce que je suis en train de faire là. Tu fais du gauche-droite, comme ça, d'accord? Exactement ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu vois tous les joueurs faire toujours ça? Là, parce que ça permet de passer l'audio d'une oreille à l'autre en fait. Et donc de mieux localiser les pas en fait, tu vois ce que je veux dire? Et donc tu fais ça, des gauche-droite, et tu fais pas de bruit là. En faisant ça, je fais pas de bruit là. Je peux faire ça autant que je veux. En revanche, si je commence à me redresser, j'ai fait un bruit, là je fais un autre bruit, là je fais un autre bruit, etc. Et c'est pour ça que vous voyez tous les joueurs pros tout le temps faire ça. C'est parce qu'on essaie de localiser le truc, tu vois. Là, si je fais ça, en fait, c'est quasiment du son en 2D si je bouge pas. En revanche, si je commence à faire ça, c'est quasiment du son en 3D. Je vais chercher les infos. Attends, c'est là, tu sais, j'écoute avec mes oreilles en fait. You what? J'écoute avec mes oreilles en fait. No shit, Sherlock!